Au dépôt des Restos du Cœur dans le Gers, c'est un utilitaire grand volume qui a été volé dans la nuit de mardi à mercredi. Il ne reste qu'une seule camionnette pour que les bénévoles puissent distribuer l'aide alimentaire dans tout le département. Ces personnes qui ont pris ce camion n'ont pas vu plus loin que le bout de leur bout du nez et encore, on n'allait pas voir les conséquences que ça allait avoir derrière, quoi. Puisqu'on ne peut pas livrer et que les personnes démunies elles vont attendre. C'est très dérangeant. Mais on ne pourra jamais faire un jour. Avec le petit camion, il faudra... Il faut au moins 3 jours pour livrer tout le monde. Durant leur campagne d'été, les Restos du Cœur du Gers livrent tous les mois 11 points relais à travers le département. Plus de 400 km à chaque fois. Mais pour effectuer les mêmes approvisionnements avec un seul utilitaire, il faudrait rouler 3 fois plus. Un surcoût que l'association ne peut pas encaisser. D'où l'appel à la solidarité pour pouvoir organiser la distribution d'avril. Notre appel aussi, c'est pour qu'on nous prête un camion, le temps qu'on puisse s'organiser pour trouver une autre filière pour en acheter un, parce qu'il va bien falloir en acheter un quand même. Et là, c'est le prêt qui nous intéresse, que quelqu'un puisse nous prêter au moins pour cette distribution, un camion qui puisse supporter 4-5 palettes, moins 3 tonnes 5. Un grand volume à la mesure de l'action des bénévoles des Restos du Cœur, indispensable pour que dans le Gers, leur solidarité ne soit pas interrompue par un vol aussi bête que révoltant.